Bienvenue à SB News, les Like, share. Je suis en streaming. Alright, guys. Guys, guys, guys. C'est la dernière épisode de SB pour la saison 3. Ouais, c'est ça on a fait en vacances on se va en vacances on a reparé la saison 4 bien euh, mérité on est resté une, un, un mois ou un mois et demi je crois, un, un mois un, un mois et demi de plus ouais c'est grâce à la copa et à l'euro right puis les olympiques gâchent, désolé puis la CFL gâchent désolé re, re, comme... on va revenir dessus euh... comme un recap le, le foot ça en vient dans pas long ça so... exact dans, dans deux mois est okay, déjà hein? deux mois non, on va commencer à parler avant que ça commence au le mois exact. prochain exactement. Ça, on un mois de break. So guys, welcome back to SFB News. Last episode, LJ Spenty god You know what time it is. Euh, pour le concours, on vous a pas oublié. On l'annonce le gagnant du concours est Youssef. Youssef qui nous écoute à chaque semaine. J'espère. <laughs> tu as gagné. On va te contacter, on va te contacter par Instagram IG pour te on se rend compte. on prend une photo. Euh, c'est le logiciel que oui. Là encore, il est, il est, il est bien plié. Il va être, on va se l'amener. So, euh, regarde, regarde tes DM. L'autre chose, aujourd'hui, on va parler de la NBA parce qu'il y a eu quelques derniers moments euh, trade, des gros trades. Euh, team Canada, Team USA pour les Olympiques. Mm -hmm. Et puis, of course, un peu de Summer League avec Brownie James et le Français qui a fait 0 en 15. Oh. Dans, les derni... Dans son dernier match, on va parler, of course euh, Euro 2024, parler de la finale de nos... qu ce qui s'est passé puis comment on a pris ça et, et la Copa América et on va terminer la saison là-dessus. Yeah, good. Yeah. On va consacrer NBA, NBA, non, ça euh, NBA, NBA, NBA. d'aujourd'hui, Russ va <laughs> au Nuggets. Et ça fait une coupe de fois qu'on a des breaking news live dès que le podcast. C'est crazy. So est-ce que vous pensez que l'ajout de Russ va amener Quelque chose de mieux, uh, Nuggets, et c'était quoi la stratégie derrière, selon vous Misogad oh je, je, je sais pas. J'avais vu, comme peut-être il y a deux semaines, que les Nuggets étaient intéressés à avoir Russell Westbrook. Je sais pas quest ce qu'ils pensent. sais qu pas que Russell Westbrook ne peut pas jouer, mais je ne sais pas s'il si fit l'équipe. C'est un gars qui a besoin d'avoir le ballon dans ses mains. Euh, tu as déjà un point guard en Murray. À moins que tu vas mettre Murray shooting guard. Joe Kitt chez lui le point guard. Je pas que c'est une équipe qui fit Westbrook, mais jamais, peut-être qu'eux, ils ont un plan, puis ça va fonctionner. Moi, je n'ai pas une idée du plan. Euh, je pense que, comme tu avais dit dans le dernier épisode, ils ont retiré leur, leur, leur permer, permer, per, my God, perimeter, Shooter. defender. Shooter ouais. in, defender, ouais. qui était KC, KCP. Mm -hmm. Je pense que Russ, le fait qu'il était sur le banc aux Clippers, il a comme diminué de un gars qui a toujours besoin du ballon. C'est un gars qui est là pour super prendre des rebonds, faire des assists et défendre. C'est un hush le. Il va être capable d'aller justement défendre les trois points. Je pense c'est ça qui a été cherché pour remplacer plus dans le côté défensif et prendre le ballon, prendre les rebonds. Ah, Peut-être, mais je trouve pas qu'il est comme. C'est pas comme s'il y a un super lockdown defender. Il est comme, non, il est greedy. Il il tu sais que les gars vont laisser Westbrook tout seul à la trois points. So c'est un détriment quand même offensively. So, comme si... Euh, on sait que Jokic est capable de faire des passes à, comme n'importe qui, mais mm -hmm. là, c'est plus facile de le défendre en se disant OK, ce gars-là, on va le laisser wide open. Mais moi, je, tu prends monsieur pour un, un défendeur. OK, c'est sûr que là je, la coopération est, est fucked up, là, mais je de la dire. Tu le prends comme un Joe Holiday. oui, c'est un gars qui, qui offensivement peut faire beaucoup de choses si tu le laisses, mais je dire, là pour est là pour la défense. Il est là pour prendre des rebonds, être le guidi sur le terrain, right? Moi, je le vois dans le Drew Holiday role. Je le vois être meilleur que Drew Holiday. Offensively? Non, non, Wait. offensively. Oh. Je parle pas en trois points. Je parle en général. OK. Euh, Puis, okay. comme Nicky a dit, euh, maintenant, tu as deux personnes qui peuvent monter la balle. Tu peux avoir Jam Jamal Murray off-ball euh, pour pop des threes. Donc, moi, je vois que c'est une bonne acquisition. On va juste voir si ça va marcher. Là. OK, All right. on va voir si ça va marcher. Je pense qu'on va espérer... Moi, sincèrement, non, ça ne marchera pas. Euh, ça, va, ça va juste ben, bien je, changer. Je veux dire, les, nu venir. les Nuggets ne sont pas mauvais. Exact. Ouais, c'est pas, pas, pas un game changer. C'est pas quelque chose qui va te faire gagner le ring l'année prochaine. Non, là, non, exactement. <laughs> non, exactement. Pour moi, c'est pas beau. Bon. Comment vous trouvez l'équipe Canada contre USC au basket? Spinty. Je sais qu'on a perdu par 6 points. Je sais qu'on a commencé la game 11-1. Euh, le reste de la game, je suis pas trop sûr qu'est-ce qui s'est passé. Euh, mais je veux dire, Team USA a fini par gagner. Puis c'était... Je veux dire, c'est sûr que c'était eux qui allait gagner. Ils, ils ont l'équipe pour smash le tournoi. OK. Euh, Team Canada est juste tout small. Euh, pas big. Euh, les gars font de l'effort. Les gars font l'effort, mais c'est comme... Ils, ils défendent... Ouais, Pourquoi tu es méchant comme ça Non, mais c'est l'effort Ils, ils défendent, ils boxent, ils font leur affaire, mais c'est quand même... Parce qu'à un moment donné, les gars shootent beaucoup de mid range, jump shot. On n'a pas vraiment de comme Point gros gars, tu pointes tout le. Les gars font beaucoup de mid range. Au début, ça rentrait, mais quand ça rentre pas, tout de coup, les gars sont plus pas de pis, prendre les, les rebounds. là. Tu joues les starers contre starers, ça, 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 a l'air bon. c'est un contest, euh, starter contre starter, Mais la seconde que le, le, nos bench embarquent, puis leur bench embarque, ils embarquent beaucoup, ils embarquent terreux, ils embarquent embarque, embarque, bam. Comme I'm sorry, mais comme c'est juste too much. Est-ce que vous pensez que euh, l'équipe USC va tout dominer C'est ça le but vous croyez ouais, que. Ouais, est même... je pense que Team USC cette année, je pense juste avec le fait qu'ils ont Steph Curry, euh, T'as Anthony Davis, Bam, off ouais. the bench. Je pense que c'est l'année que j'ai vu le, le Team USC avec le plus de, de centers. Comme dans leur team. Ah ouais. Ils vont euh, faire comme MB, le, le, le Dream ouais. Team. MB joue même pas bien, mais. Mais il était tout le monde qui a boosté. C'est que... ça, comme. Puis t'as Kevin Durant qui a pas encore joué une game parce qu'il est blessé. Ils ont des bons role players comme <laughs> Anthony Edwards off the bench. <laughs> Moi, je voulais voir juste ah gagner ouais, ouais, ouais. là. Puis même, ils changent les starters. Suman, t'as Tatum, Anthony qui sont starters. Comme il y avait le premier lineup up qu'ils ont joué contre euh, Australia. Mm -hmm. Mais c'était une game tight. Je pense qu'il ça n'aurait jamais dû arriver, mais. Le service, il y avait Anthony Edwards, Tatum, LeBron, puis que deux oui. autres gars, euh, Curry, puis un autre gars, le centre, c'était LeBron. Tellement, ah bon. tellement qu'ils ont. Quand tu peux te le permettre. Quand tu peux te le permettre, mm. c'est quand même, à un moment donné, la dernière game contre Serbie, c'est Curry, car t'es pas pop des trois. Mm. Qu'est-ce que tu fais? Il y a tu T'as vu la le, le, vidéo de. J'ai oublié son nom. Là, lui qui est fucking. Oui, role. RDC. Uh, oui. Le gars dit, oui. <laughs> like do, we're just gonna double LeBron le gars il dit ref uh, coach uh, what about curry we're just gonna double curry uh, ref coach like what, what do you mean il <laughs> <Et comme, Man, laughs> dit we're gonna attack the bench <laughs> 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 comme c'est exact c'est exact comme leur équipe est juste trop boostée yeah. et puis j'ai pas mis ça dans la question mais selon vous quand vous avez regardé les games so far uh, Team Canada est encore top 3 ou vous pensez Canada parce que là j'ai vu France c'était sérieux Australie m'a surpris USA, USA ils dominent comme ils devraient dominer là Team Canada est-ce qu'il va encore en top 3? Ou finalement? Parce que France me fait peur. France en beaucoup de size. Le tournoi est vraiment plus even qu'il était back in the days. Yes. So, on va voir qu'est-ce que le top 3 donne. Moi, je, moi, je le donne un des trois spots à Canada. Ouais. Et toi aussi? Non, je mets top 5. Mais c'est surtout parce que le, le tournoi est tellement fait étrangement il y a un fucking deadline up. Euh, de, un, grou, un groupe de la mort. Oui, oui. Euh, oui le groupe oui. du Canada, je pense qu'il y a le Canada, Australie, France, peut-être Allemagne. Je exact, pense. exact. Um, c'est pas la photo, j'oublie. On joue qu'on est Wagners. Le, le, les États-Unis, ils ont juste Serbie, puis il n'y a personne d'autre dans, dans le reste du groupe. Comme Bouddhaire. Je n'aime pas comment c'est on-event comme ça, le, comment les groupes ont été euh, placés. Ouais. So, juste à cause de ça je ne sais pas s'ils sont nécessairement top 5 et je regarde le fait qu'ils n'ont pas de center puis que comme ils attaquent tellement des, ils essaient de faire des layups ou des mid range mais dans, quand tu joues au olympique le, le center peut rester euh, il peut et rester le dans le paint j'ai oui, so, remarqué qu'ils se faisaient beaucoup blocks aussi so, les gars ne sont pas de outside threat euh, je pense que ça ça être top contre des équipes qui ils sont des à de ouais, qui ont des big sense uh, Bronny James et euh, Alex Sarr le euh, français, first round ou second round pick. Euh, les gars ont des performances affreuses. Êtes-vous surpris ou non? Ronnie James a pick up la deuxième game. Quand même fini euh, 12 oh, C'est sa ça, ça, quatrième game. Quatrième game, genre. Oh, Alright. <laughs> so, Il ouais, a pick up récemment. Il <laughs> He, shooting 30%, uh, 10% from the three point line. Mm -hmm. C'est pas, c'est pas, c'est pas fameux. Tu surpris de... Est-ce que pour toi, tu t'attendais à, à ça Non. Je, je m'attendais à pas mal ça. Euh, moi, c'est seulement... Je m'attendais qu'il n'y ait pas autant de points, mais que son pourcentage de 3 points soit meilleur, parce qu'on s'entend que, on que euh, avec son size, et son, son size et son speed, il n'y a pas si speed que ça. Il n'y a. a pas un handle à la carry ou à la reversion. Euh, oui, il y a des hops, mais il n'y a pas... Il, ouais. il, il il faut pas t'oublier que les gars qui sont 6-4 ont, ont, du du, ont du size puis ont du speed aussi. Ce sont pas, mais, pas des pinots. Là. Mais si tu avais le speed de l'End of ou Carrie, ça aurait été quelque chose. Mais là, vu que tu pas tout ça. Il n'y a, 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 a rien dans son arsenal qui est A. Voilà. Et moi, son, son A, elle est les 3 points. Donc, je suis surpris que son A, 3 points, est trash comme ça. Et ça me fait que oui, il va être le highest guy paid in the G League euh, cette année. S'il améliore pas ses 3 points. JJ Redick en plus était là à la game je pense ah puis il est là déçu euh, ben non c'est la game il est actuellement bien joué mais moi je suis euh, je suis pas surpris qu'il joue pas bien mais je suis surpris que ce soit aussi trash um, <rire> comme <laughs> c'est no, trash c euh, je m'attendais un peu mieux je m'attendais pas à grand chose mais je m'attendais à mieux ce, -ce qui ce qui a donné comme performance surtout que dans la le G League il te donne toutes les minutes pour shine c'est pas comme si tu as passé de minutes ah pour il joue genre temps, 26 là, minutes par, par moyenne par game, game. c'est ça c'est comme es, il joue comme un full-blown starter là dans july puis tu joues contre des gars qui sont euh, tu joues contre des gars qui sont pas nécessairement bons là il y a mm -hmm. gars, tu joues contre des gars qui fight pour the roster des right, roster spots so, je suis surpris qu'ils soient aussi audya autant sur goal mais sinon ce que je suis surpris comme c'est un c'est pas un gars qui a dû faire draft à la base selon moi exact euh, c'est un gars qui c'est un dis c'est un gars de développement. Genre, les Lakers sont là pour le développer puis voir s'il il peut donner quelque chose de sérieux plus tard. Euh, so, on n'est pas supposé expect qu'il va faire grand chose. Il est que... encore jeune, il encore, faut pas oublier. Hein, il a juste 19 ans. Ouais, il est très très jeune. C'est pas un LeBron, James, un ça, LeBron comme, James. Enlève ça de ta tête. comme absolument, Il, il absolument. va pas être excellent off the bat. Il, il a raté une année de basket à cause de sa, de sa, sa blessure et sa ch chirurgie. Mm -hmm. so, on va lui donner une chance, mais pour l'instant, eh. Bon, moi je donne pas de chance local parce que <laughs> Yo, à la base si tu sais si tu voulais vraiment jouer tu sais que aurais dû retourner à dire, dire son... ouais, moi c'est ça je dois jouer comme montrer que je peux jouer be my own man comme bad buy oh je me fais draft dans l'équipe que tout mon père joue pas faire le bail de oh j'ai un contrat de plus, plus que n'importe quel que second round pick uh, fif, comme 55ème joueur comme c'est ça comme des affaires que comme il passe vous avez dit non je veux je vais build le pack normalement comme n'importe quel joueur. de comme, Non. Comme, raison. So, moi, si le criticism qui arrive avec lui, je vais dire pas le choix de l'accepter parce que tu as, as décidé d'avoir les, les privilèges qu'ils ont avec. So. Euh, déjà, à la base, je, je vois que bon, il y a une game, je pense qu'il a fini avec 5 points. Ouais. Puis il a fait son premier point au quatrième quart. Il restait 5 minutes à la game. Puis ils ont mis ça dans la C'est comme oui. <laughs> on n'est pas supposé voir ça. Oui, là, comme non, il joue pas tout bien, tout on n'est pas supposé le voir, mais on le montre. So. Yo, moi, je le Quitty des Hommes, je vais te donner un VD, jusqu'à ce que je vois que le Patnais joue bien. Même. Parfait. Il euh, y avait des rumeurs que Tanassis a demandé un trade. <laughs> c'est juste un autre bail comme Bronny pas. James. Exactement. On, on s'en foutrait du Patnais <laughs> si c'était pas à cause qu'il était related. Non, non, mais lui, je pense que c'est un meme. Oui, c'est comme... un meme. Mais... Non, c'est rendu un meme. <laughs> Comment tu. Comme, est-ce que tu penses qu'il voudrait faire ça? For real, for real. Est-ce que tu penses qu'il serait aussi audacieux pour faire ça? Oui, s'il est audacieux, il vient juste de perdre tout, son, tout ses, son. Son power. Son power, ouais. En tout cas, moi, je veux savoir si. Comment, si t'étais un coach, le Game vient de voir. Le il le ça. As tout de suite? Live. T'as un trade live. Ça parle à son de frère. Ça parle à son vrai? frère. Donne-moi 250k. We're right, good. k right. <laughs> Oui, il veut partir bye. Mais est-ce que vous pensez vraiment que là. Le il va il... se pourquoi? Parce si que But... si tu le prends, tu sais, t'as le frère qui vient après, Janis va venir non. aussi. Non, 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 non. Parce que c'est lui qui est venu demander le de tweet. C'est pas oui. Janis qui a dit, ah, je veux un tweet, puis là, tu dois le mettre dans un package. C'est lui qui est venu par lui-même, je veux un tweet. Je te dis, ok, bye bye, écoute Yeah, 100%. That's crazy. Anyway, blague à part, Euro. Euro 2024, ça a terminé que l'Espagne est champion. Spenty, recap des finales. Comment as-tu trouvé ça? Euh, L'Angleterre. C'est fait totalement dominé par l'Espagne. Encore. Au deuxième. deuxième demi non, non, De la game au complet. Première c'était égal. Première c'était égal. Tap. Ouais, je vais te Faut le dire. Une attaque. Faut bien attaquer, tout le monde attaquer. Check. Si tu check la possession, 60-30. Si tu check les shots en target, Spain. Si tu check les shots, Spain. Si tu check les passes, Spain. Si tu check tout, Spain. Comme à, à la fin de la journée. Comme... On attendait juste que le but arrive. Ça, exact. Comme c'était written in the stars, euh, l'Espagne était la meilleure équipe du tournoi. Euh, C'était bien mérité. Puis, ils ont save. Ils ont, ils ont, ils ont, cette journée-là, la moitié de la journée était save. Football was saved. Après, on a eu la finale de la Copa. et on a vu qu'est-ce qui est arrivé. Football wasn't saved that day. Mm. Mais Espagne, euh, haut la main, a mérité de gagner contre l'Angleterre. Euh, L'Angleterre, on dirait qu'il ne qu savait pas qu'est-ce qu'il faisait. Encore, comme tout le tournoi. Il euh, n'y a pas grand chose de plus à expliquer. Il y a des trades bizarres aussi de l'Angleterre. Des subs. Ouais, de il bizarre, y a ouais. plein de subs bizarres. Euh, bizarres. C'est tout le tournoi. Southgate, Southgate est trash. Southgate a resign Design, aussi. Il n'y a pas eu le choix. Ouais. So, euh, C'était bien mérité de l'Espagne. C'était totalement. Non, moi en plus, on savait que ce bracket-là était weak puis une équipe pouvait se rendre. J'espérais avoir une autre équipe plus intéressante que, que, que l'Angleterre. Puis je pense comme à la quand j'ai vu l'Angleterre se rendre en finale j'ai dit ah ça me tente même pas de regarder la vraie finale on l'a eu en, en semi finale c'était euh, Espagne euh, Espagne Allemagne, Allemagne. Ouais, so, c'est ça so, comme même euh, Espagne France c'était mieux euh, so, l'Angleterre je m'attendais à rien. comme il réussissait toujours à faire un but mais tu savais que tu' allait pas en faire deux comme puis là deux être... ont eu un pour euh, égaliser, égaliser mais, ça, mais ouais. comme tu peux pas toujours dire tu as gagné un la ou alors penalty genre c'est comme c'est pas c'est pas ça la solution, genre. Non. Euh, so, la, il a, là, a, tout, a tout le talent pour pas que ça soit ça la solution. Yep. Exact. Puis ça, j'ai vu, euh, vu euh, Ronaldo, euh, pas Cristiano, mais l'autre Ronaldo, dien, il a dit euh, qu'il trouve le soccer plate, genre. Il regardait le bail, puis il dit comme, c'est juste plate, regardez. Puis c'est exactement ça qui m'est arrivé, j'étais genre, sur toute il y a beaucoup de monde, Il y a beaucoup de monde qui ont dit que c'était le pire euro euh, ever. Sur tout le je peux dire que j'ai enjoyé trois matchs. Oui trois matchs bah bon, peut-être un petit peu plus comme j'ai j'ai enjoy j'ai toutes les games l'Espagne j'ai enjoy la Roumanie j'ai enjoy euh, Georgie Turquie Turquie ouais puis c'est non moi définitivement je sais trois matchs j'ai puis j'étais comme j'étais vraiment je regardais ça puis je faisais rien d'autre oh, ouais. les autres matchs j'étais genre... On à ouais, partir 15 minutes, revenir, puis genre... VAR, this a lot ouais. goals, too much. Euh, le top scorer la, du tournoi, c'était des on-goals. Euh, <laughs> comme pour de vrai, vrai c'était un des pires <laughs> tournois ever. No joke. C'est ça, mais pour de vrai, moi, je trouve je c'est <laughs> pas... Comme on a déjà parlé de ça, qu'il n'y a plus vraiment de joueurs qui sont wow, qui sont capables de... Et je regardais euh, t es, t es sur YouTube, puis YouTube m'a montré... Euh, <laughs> il est pas le moins en panique. <laughs> et, euh, mais Roberto Carlos, là, quand, a, oh. quand il fait le, le free kick, là, mm -hmm. il, comme, il est presque à, au oh. milieu. Là. Il prend un élan de genre... <laughs> il prend un élan de genre... Genre 15 mètres. 15 mètres, il court, <laughs> il court, puis il fait un shot. <laughs> yo, tu vois pas de mec comme... Non. Spectaculaire, non. là vraiment. Là, non. Es juste... Tu regardes les gars faut jouer Tic-Tac-Toe, ils, ils ont leur jeu prédéterminé, puis ils, tu vois la ligne se faire, puis tu vois ce qui se passe, es comme... yo il n'y a, a personne qui va faire un mouvement de magique. Mais comme ben, en Espagne, on a vu un peu avec ça, euh, Jamal. C'est ça que je disais. Il n'y a, a plus ah. beaucoup de wingers qui sont prêts à, à recevoir la balle, tourner puis attaquer one-on-one ouais. one leur défenseur. C'est devenu rare. Là, c'est tout comme pragmatique. C'est OK, on garde la possession, on fait une passe en arrière, on fait une passe du côté. Il n'y a personne vraiment qui comme qui, qui... Non, qui va, qui, qui va avoir il faut du flair, ouais. qui va prendre, ouais. d, de prendre des, de, ça, des risques. Le gars va voir un défenseur qui okay, je le renvoie en arrière, je l'envoie le au gardien, genre comme C'est juste plat. Ça le gardien il, il, il kick puis l'autre équipe reprend le ballon, je suis comme... Mais ça c'est la faute de tous les, les clubs puis tous les, ouais. les, les coachs c'est ça que c'est rendu le soccer c'est rendu tellement robotique c'est rendu comme il y, y a des joueurs back in the day n'auraient jamais joué s'ils si jouaient comme ça comme live. Ouais. Merci, guys. Merci. <laughs> non, mais moi, je, suis encore, je, je, je me considère encore comme un nouveau dans le monde du soccer. Et je suis pas fou. Non? c'est plate. J'aime, J'aimais plus écouter une game la Copa, même ouais. s'il ouais. y avait des fautes aux 15 secondes. Tout le temps. l'Euro. Parfait. Euh, Est-ce que c'est le début d'un era pour l'Espagne? Non. Quand tu dis début d'une c'est est comme Est-ce qu'ils vont tout rafler? Ils vont ouais. rafler. Euh, FIFA, euh, World Cup qui s'en vient, ils vont rafler euh, le prochain Euro, ils vont rafler... Quand, quand, quand l'Espagne est allée Euro, Coupe du Monde, Euro, back to back to back, ils ont triplé comme ça. Ouais. Google, Google la team qu'il y avait en 2010, 2012, je ne me rappelle plus c'était quand quand ils ont tous sauté, va mm -hmm. bon, voir la team puis dis-moi qui, qui est remotely close aux joueurs que l'Espagne avait dans ce, ce temps-là. non, mais t'as beaucoup de jeunes joueurs présentement Oui je te le donne. l'Espagne puis les gars ont pris une confiance, les gars commencent à dire OK, on peut dominer tout le monde. Non, la, la, la France va comeback avec un nouveau coach, l'Angleterre va comeback avec un nouveau coach, est Portugal, pas est pas en... la France. Portugal est en... <laughs> la, la France aussi a besoin d'un nouveau coach. Deschamps des, des, des des n'est des pas la solution en France. Beaucoup de gens ont la solution dans cette équipe-là, mais bref. C'est bon. Il y a le Portugal, il y a le Brésil encore, il y a l'Argentine, mm. il, il y a la Colombie qui s'en vient. La Colombie a eu un oh. bon tournoi avec Copa, ça. Il y a beaucoup de bonnes jeunes teams qui s'en viennent. Okay. Moi, je pense que c'est, s'arrêtent s'arrêtent comme un contender, mais est-ce est oui. que je peux dire qu'ils vont tout rafler Non, parce que je pense pas qu'il y ait une équipe qui est tant meilleure que. Juste dans l'Europe, je ne pense pas qu'il y ait une équipe qui est tant meilleure que mm. l'autre. Parce que, anyways même si l'équipe avec le plus de talent, on a vu, ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner. Là. Des fois, ils ont des crétins comme coach. Mm. Ou des fois, ils jouent juste un style de jeu qui est vraiment plat. So. L'Allemagne mm. aussi, il ne faut pas l'oublier. C'est ça, so. je pense. Mais, ouais. so. je pense que, puis, on a vu qu'en Europe, les, autres, les plus petites équipes ont catch-up aussi. Hein, so. Je pense que l'Espagne vont être... Ils vont tout le temps être là. là. Ils vont être là, ils vont être contents d'eux, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont... Tout rappeler, comme, là. comme ils ont déjà ils ont déjà aujourd'hui j'ai peur de ma tête encore aujourd'hui ils ont sorti les, les, les pourcentages pour les la coupe du monde pour qui qui, qui, qui gagne à 4, comme le plus haut pourcentage c'est 14% puis c'est l'Angleterre j'ai fait bruh here, here we go again c'est l'Angleterre c'est l'Angleterre les favoris après c'était Brésil Argentine, euh, Espagne, comme Espagne était loin là. Comme, bah, elle... Le BALMAN non plus. Wow. Non, non, non Tout le monde était comme. C'était Argentine, Brésil, Angleterre. Genre, les deux premiers sont off. Off, oh, mon cher. Yep. Euh, Harry Kane, est-ce que Harry Kane sera un joueur relevant dans le futur sans aucun trophée? Quand je dis là, est-ce qu'on va parler de monsieur comme étant un des bons joueurs? Il y, y a beaucoup de joueurs qui dit ça c'est un bon. C'est comme Thierry Henry c'est un bon joueur. Pas... Il a gagné il a un trophée. cest dire <laughs> il y a des grands joueurs. Ils ont t'sais. des trophées. et La question, c'est, est-ce que Harry Kane pourrait être considéré un grand joueur sans trophée? Mm, non. Moi, je l'aime déjà pas. Il a quand même battu le record de plus de buts en, euh, en, euh, en pour Angleterre. En Angleterre, pour Angleterre. Ouais. Non. non, parce que... Il a battu un record. Pas Regarde, assez. non, non, non. C'est pas assez, non. Il est... Il est... Il est... non. As non. Regarde il fait des buts ok je vais mm -hmm. lui donner. Mark mais des il est pas il fait c'est ça c'est des pénaltis, mais il est pas il est pas là quand on a besoin de lui il, il, il aurait pu dire ok c'est parce que jamais été bien entouré d'un bon club il est allé à Bayern la première année carrière à Bayern Bayern pas de pas de trophée comme pas de trophée comme that's you <laughs> uh, Angleterre c'est toi c'est toi c'est lui le talisman là c'est lui le main guy c'est toi la face de l'Angleterre depuis comme un boot mm -hmm. Puis c'est probablement à cause de toi que plein de joueurs n'arrivent pas à rentrer sur le terrain, genre, parce mm -hmm. qu'ils veulent jouer un style qui fit Harry Kane. So, non, pour moi, c'est comme c'est un gars qui mais a fait ses aussi. stats, mm -hmm. mais non, c'est pas un grand joueur. Tout ce que Niki a dit, c'est vrai. J'y pensais souvent qu'il essayait de trop de feed Harry Kane. Le, le joueur, comme dans la finale, la seule fois que tu as vu Harry Kane, mm -hmm. c'est parce qu'il a bloqué le shot de Rodri. <laughs> c'est la seule fois que tu as vu Harry Kane dans la game. C'est la seule fois qu Harry Kane a un fait une défensive. bonne chose. C'est un jeu défensif. Dans sa propre boîte. Oh Comme, mais Déjà, à la base, je trouvais qu'il. Mais ça, c'est pas un start gate, là. Mais il devait retourner vraiment il, il venait, en arrière. Là. Il est au gars, je vais être dans defense. Il, ouais. venait, il venait au milieu pour chercher la balle. Ouais, T'es un attaquant de pointe. Reste... Crazy. Anyways, j'ai jamais aimé Harry Kane, yep. Je vais jamais aimer Hurricane. Puis yep. euh, non, moi, je pense que c'est un. un c'est un, un très bon goal scorer, don't get me wrong. Mais c'est un system player. Puis that's it, that's all. Euh, Est-ce que Ronaldo devrait revenir au Portugal ou ça suffit Menti. Dans quel sens FIFA. Yes. Bon, tu walk penses prend... pense qu'il prend sa retraite Ah, oh, pour revenir au World Cup World Cup. Il va être là. Je, wow. je, te je te le garantis, il va être là encore. Moi, ça suffit, mon gars. Come off the bench. Come off the bench. Tu peux plus sous le terrain comme non, ça. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Ça, j'ai tout le temps dit qu'il devrait come off the bench. Ouais, mais comme là, là faut il faut qu'il nous écoute. Come off the bench. Là, c'est fini. Tu prends de l'espace, tu n'as tu, tu, plus la même vitesse, la même, le même athlétisme, le même sentiment de danger. Pour, pour sa défense. Oh, come on. Pour, non, 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 non. non. <laughs> non toi, tu, tu, tu viens de commencer à écouter le soccer. Oui. Pour sa défense. À chaque fois que Ronaldo avait une occasion de marquer, ouais. c'est une seule personne qui lui donnait le ballon, c'était Rafael Leao. C'est vrai. À chaque game, l'imbécile de coach sortait Rafael Leao à chaque fois quand c'était le joueur le plus dangereux sur le terrain. Oui, en place d'enlever Bruno, en place d'enlever l'autre qui était à droite, que je, je sais pas, Bernardo Silva, que je m'en ah, calisse, oui, que lui hum. aussi peut prendre sa retraite. Euh, y en, y en, y, puis les deux meilleurs joueurs du Portugal, c'était Vitinha dans le milieu, puis Rafael Leao. À gauche. Mm -hmm. Et à chaque fois, c'était les deux qui sobbaient. À chaque fois, c'était un imbécile de move. Puis ça l'enlevait toutes les possibilités que Ronaldo pouvait avoir de marquer. En effet. Fait. Parce qu'après, il y avait juste plus de ballon qui arrivait à Ronaldo. Il n'y avait personne qui checkait un cross. Il, il, il faisait rien. Il y avait juste pas le ballon. C'était un autre affaire comme Harry Kane. Il était au milieu. Il allait <laughs> gauche à droite. Puis il n'y avait jamais le ballon. Voilà. So, oui, Ronaldo est vieux. Oui, il n'est plus capable de press. Mais le service était censé donner un attaquant était jamais là. Non, moi je suis bien dans le cas de Gigi. <laughs> euh, je, je, moi je voulais qu'il soit off the bench dans ce tournoi là. Mais j'ai la... tout le temps dit ça, ça c'est off the bench. Mais maintenant okay. pour moi c'est dead comme c'est fini, retire. À la base, ouais. Ouais, ouais, il, à la base il n'a pas dû revenir après des suspects qui a pris à, à la dernier, au dernier World Cup. Ouais. Là il est revenu jouer, il a essayé, on comme on, on l'a vu là, comme j'ai déjà fait la il, il a perdu son edge des euh, gens n'ont pas peur de lui. Et le, si je dis toujours que au, les gens de, qui jouent au PSG jouent contre du support competition, puis après ça, ils pensent qu'ils vont élever ton Champions League. Je vais dire la même chose pour Ronaldo. Tu penses que tu va faire quoi, genre C'est comme Kanté ouais, le fait. Ouais, mais comme Kanté, il a joué comme... Mais son but, ce n'est pas de marquer. Genre, non, C'est juste comme... Il y a, a Cardio, il défend, il fait les plays, mais comme... Ouais, tu aurais pu mettre tout. un autre joueur. Kanté, il n'y a pas comme... Scorer, genre. non non il n'y a pas revolutionnise c'est ça so... c'est comme si que... Ronaldo c'est comme un gars y a, y a son couteau est pas filé là. Et comme il ne pas son couteau il, là, prend, c... il prend trop de place dans le portugal oui comme les kicks qui n'étaient pas obligés de prendre prendre comme c'est too much les stratégies comme les gars essaient de fuir le ballon mais ils sont pas capables parce qu'il y a personne. non qui... le ballon se rendait juste jamais à lui oui parce que les autres gars peuvent pas couper non parce comme que Bruno, ou... non Bruno Bruno est, est trash Et moi je, voilà. le, ça fait <laughs> deux ans je dis que Bruno est trash puis que Man United devrait le vendre et il est fini. Euh, il y avait personne qui était capable. Bruno, Bernardo Silva, si c'est pas avec Man City, il est pas capable de rien faire. Comme c'est tout, des system players que peuvent pas, ils ont pas de, de, de magie, ils n'ont pas, ils ont pas rien, même. Mais moi je pense vraiment, c'est mieux de les laisser jouer ensemble. Comme pas de fit Ronaldo, puis c'est ça le problème. Si tu veux jouer, si essaie de jouer avec au fit Ronaldo, je pense pas qu'il laisse les autres comme s'exprimer comme ils veulent s'exprimer non plus. Et Moi je suis du comme je peux être d'accord que genre c'est beaucoup de systèmes players, mais je les ai vus jouer sans Ronaldo. Ils étaient vraiment différent de la façon qu'il joue que quand il joue avec lui. Ils vont attaquer. Ouais. Ils vont attaquer. Et là, je trouve que euh, euh, Léao, les, les games, comme on dit, il réussit à déjouer son premier défenseur. À base de continuer, tu vois qu'il regarde où est Ronaldo. Ouais, ouais, je, je suis d'accord avec toi. Mais dans cette situation-là, il faut que tu regardes où ton attaquant. Puis il a essayé beaucoup de donner des, des balles ouais. à Ronaldo. Exact. Ça n'a pas marché. Mais au moins, il y en avait un qui essayait. C'est vrai. C'est ouais, vrai. T'as raison. All right, that was it pour euh, l'euro. Ah oui, ben, j'avais mille, mais vous avez quand même parlé de ça un peu. Mais recap. Meilleur moment de l'euro, pure moment pire, de l'euro. Meilleur moment mm. l'euro pour moi, c'était la, euh, la découverte, ben la découverte des deux jeunes, Yamal et euh, Moussaala. Moussiala. Moussiala. Euh, J'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont donné. La, la meilleure game, j'étais entertain Puis si les gars peuvent jouer plus souvent comme ça, et monsieur Allah tire plus quand il rentre dans la fucking boîte, on va vraiment avoir du bon soccer pour les prochaines années. Bon, moi, je Meilleur moment, je guess, c'est le but euh, de la mal euh, ouais, contre la France. Mm. Mm. Yeah, mm. Oh, yeah, Mais le oh, pire moment, c'est définitivement on goal, bro. On goal, <laughs> on goal, on goal, c'est ça le pire moment de tout Moi, c'est euh, VR. Ton pire moment. Oh my god! Les vieillards comme pas à choix, mais. Non, des... le... Oh on... ah. la blague là, quand il disait ouais. que le, 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 la digue de comment ça s'appelle? <laughs> la... Du gars de le Belgique, kakou. le Croude était trop grosse! Il y a les vieillards qui ont jamais fait sur la main à Coucourelle là aussi. Ouais, ça c'est des affaires fucked up aussi. Comme tu as, as un système que tu mets, mais quand il faut l'utiliser, tu l'utilises pas. Oh. Oh. That was crazy! Um, ouais. That was crazy! Uh. C'est ça, de, ils sont même pas allés au VA. Ils sont ça, pas allés, ils pas sont fait. pas allés. Ça, c'est oh, malade. Ouais. Le, puis le VA peut appeler et dire Yo, regarde, y a oh, ça. Les, là, les main. Check. Oh, non, 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 corruption. Euh, meilleur moment, euh, l'Angleterre qui a perdu. <laughs> euh, <laughs> L'Italie qui a perdu. <laughs> Mais non, je... non, 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 pire moment, c'est à cause de l'Italie, mais pire moment, c'est euh, le but de Matteo Zaccagni qui nous a permis d'aller euh, en semi-finale dans les oh, non Stage. Oui. Mais c'est chaud! Qui a donné de l'espoir à toute une... Toute une <laughs> à toute une nation! Il a donné de <laughs> l'espoir à toute une nation! Juste pour qu'on se fasse décevoir encore. Italie à RDP, <laughs> c'est la fête, oui! Euh, euh, c'est la fête. Pour tous ceux qui habitent à RDP, vous, no shame, bro. J'étais là, là quand on a, on a tiré cette game-là. No fucking shame. 1-1, vous êtes d'or en train de party, mon gars. Quand on, a, on vient de jouer trois games de merde, <laughs> bro. De merde. That was so funny. All right, Copa America, euh, Copa, comment vous avez trouvé la finale? MuzoGol, comment t'as trouvé Colombie contre Argentine? Oh oui. Um, C'est... Tout d'abord, je n'ai pas regardé de la fin. Je, je, Messi, s'est blessé. Je regardais le match. C'était euh... comme Il ouais, n'y comme avait, avait rien qui allait se passer. Genre, comme mm -hmm. Tout le long, je regardais, c'est comme ça. Alors, elle allait au toit, puis euh, penalty. Je ne voyais pas vraiment comme... Comme je te dis, le soccer avait juste leur place. Je, la, la finale, pour moi, ce n'était pas, pas excitant. Mais je, pour moi, je suis comme Argentine. C'était déjà écrit qu'Argentine allait gagner. Je pense que c'était genre bon donc j'ai pas vraiment prêté attention à, à, à ce match là comme ça j'ai plus regardé le Canada contre euh, Uruguay que ouais c'est deux grosses games deux grosses games. même euh, Canada Argentine c'est une grosse game ouais. euh, moi ton boy euh, ton boy qu'on a remplacé un qui s'est blessé euh, Buchanan oui il, qui, puis, qui, puis, qui a été remplacé par, par Schaffelberg Get him the non, fuck non, out. non 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 <laughs> non non toi tu parles du gars avec les cheveux blonds mais oui. le non, non, Schafferberg aussi. Non, non, non. Non, il a non. dit, je m'en vais, il va oui, à Schafferberg. Schafferberg Le jeu après une décision, bâtard! OK. Le Canada a... <laughs> oh, pas zéro finishing, au moins 100 finishing. Yeah, On est... ouais. n'était pas capable de scorer. Le Mapa Chabot court. Euh... Il y avait Davies qui a ralenti. Alfonso Davies il est plutôt arrêté de faire les penalties, man. Ah oh, oui, euh, bon. ça c'est... Davies a ralenti. Même moi, j'aurais fait la passe à Davies. Le gars s'est kické d'un angle bizarre. OK. Le finishing du Canada était et complètement parfait. atroce. Don't get me wrong. Mais la manière que le Canada a joué contre l'Argentine et contre l'Uruguay était et très nice. Oui. Et Bambito, Cornelius, euh, Alistair Johnson, Davies in the back. Comme pour moi, pour moi c'est une grosse backline déjà. Mm -hmm. euh, les deux centre-backs, Bambito et Cornelius, c'est sûr qu'ils vont se faire signer quelque part en Europe. crepo euh, a joué un excellent tournoi. Euh, dans le milieu, euh, Ustaké a joué un excellent tournoi aussi. Qu'on a eu de la misère contre l'Argentine la première game. La deuxième game, il les a dominés. Euh, oh, Puis en attaque, c'était juste ça le problème. En attaque, on n'était pas capable de marquer. J'aimais mieux, mieux voir le, le petit jeune, que je pourrais jamais dire son nom. Le numéro 25 qui se faisait sub à la fin. Yulwanasi, Yul, quelque chose comme ça. Oh, je vois de qui tu parles. Ouais. Le, la, la, pas le... bah, ouais. Il a fait marquer contre l'Argentine. Il a fait une grosse save. Ouais. Euh, so non, le tournoi du Canada était pour ça c'est un thumbs up, vous avez dead le tournoi, vous avez euh, surpassé qu ce qu'on s'attendait de vous parce que moi je voyais pas moi j'avais dit quoi? Euh, ouais. semi-finale ouais. ouais puis ils se ont... sont rendus en troisième place Ouais exactement ouais, mais... ouais, Ils ont perdu, ben, ils ont perdu mais ils ouais. se sont rendus dans la game de la troisième place ouais. Ouais. Euh, Pour la finale je vais aller complètement à l'opposé Nicky Moi j'ai trouvé ça interesting pour de vrai yep. euh, ben, c'est parce que je regardais les, la Colombie jouer et la Colombie, il manquait juste un attaquant, man. Si, si la Colombie, si mettons Lautaro Martinez était colombien, cette game-là était la, à, pour la Colombie, toute la game. Euh, Richard Rios, le numéro 6, était everywhere. C'est un tank, bro. J'ai adoré comment il jouait. Euh, James Rodriguez, il me rappelait encore back in the days, euh, le, la coupe, deux Coupes du Monde, trois Coupes yeah, du je Monde. Je pense c'est trois, même. Trois? Et non. Ouais, je pense c'est trois Coupes du monde. Il est rendu vieux, bro. Wow, euh, okay. J'ai aimé, ai aimé toute leur team, j'ai aimé, le ai aimé leur défense, j'ai aimé leur goalers. Euh, malheureusement, ils ont pas été capables de battre l'Argentine. Euh, c'est les subs pour l'Argentine qui sont venus marquer puis gagner la game, so, malheureusement, c'est ça qui est arrivé. Euh, meilleur moment, pire moment. Euh, Canada, meilleur moment. pire Argentine gagnée. <laughs> <laughs> De rêve, je pense pas que j'ai un pire moment, mais effectivement, le meilleur moment, c'est de voir le Canada compete. Euh, so, même quand ils ont perdu, ils ont checké une bonne game. Là, comme. Et moi, comme je l'ai dit, dit c'est vraiment voir de build-up sur chaque tournoi. Là, comme là, ils vont savoir que pour le prochain tournoi, ils doivent être plus clinical in front of goal. Comme. Ça devrait être euh, quelque chose qui devrait mettre l'en face dessus. So, moi, je suis fier du Canada. Euh, ils ont envie bien joué dur au tournoi. Puis euh, hier, euh, Jesse Marsh a fait une, euh, une interview avec euh, TSN euh, Radio. Oui, j'ai vu. Je écouté. Ok. Puis j'ai aimé tout, tout, tout qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit euh, les 26 joueurs qui étaient là présentement sont en pole position pour euh, être être de revenir pour ouais. la Coupe du Monde. Mais si si vous allez à, dans vos clubs et vous performez pas, vous euh, comme vous écoutez pas qu'est-ce que je vous ai dit de faire si euh, vous êtes les premiers dehors comme on, on passe au prochain euh, que, que l'organisation du Canada devrait investir plus de temps puis plus de ressources pour aller scout des joueurs euh, canadiens à l'étranger parce qu'il y a beaucoup de canadiens qui jouent dans la troisième division en Allemagne troisième mmh. euh, division en Turquie whatever, ils, ils, jouent, ils jouent loin il n'y a pas souvent des yeux sur ces joueurs là ils sont souvent oubliés puis euh, Jesse Marsh a dit qu'il faut qu'ils mettent qu mette ça av en avant-dit, genre faut il faut qu'ils investissent là-dessus. Puis j'ai adoré ça, entendre ça, parce que c'est vrai, euh, même moi, quand on était au secondaire puis au, au cégep, j'avais beaucoup d'amis qui sont partis en Europe puis ils ont juste, sont juste « die in the crack », genre. sont juste. So, j'ai adoré ça, entendre ça. Euh, je vais dire quelque chose. Euh, la corruption, c'est le final là-dessus. Euh, <laughs> la corruption à Copa América, est-ce que vous avez senti que euh, ils essaient d'avantager plus les joueurs de l'Amérique latine que les joueurs euh, Amérique centrale et nord euh, Je veux pas dire qu'il y a un bias, mais écoutez une game pour vous-même, puis vous allez voir. Ouais, que... ça. Écoute la game, tu vas avoir des. Même si les deux teams font le même genre de faute, tu vas avoir il y a une équipe. Qui on venait, On venait d'éliminer, ben on avait, on on a, on a fini deuxième dans le groupe avec Chili et Pérou. Puis la game d'après, ou, ou la deuxième game d'après, on avait quatre arbitres chiliens. Qui est comme c'est pas censé arriver. Ouais, jamais vu. Donc, je dis pas que c'est biais, mais. It is what it is. Puis nos amis so américains sont vraiment sortis que le Canada s'est rendu plus loin what que, eux. Même, ça, fait que ça, ça fait deux tournois. là, Sur so, so, so... Twitter, mon gars, les américains were going off, mon gars. Non, parce qu'à la fin de la journée, les américains prennent des R dans leur. Faites pas qu'ils prennent des Ls au basket, parce que s'ils si prennent un L au basket, mon gars... Ça va plus bien, mon gars. Ça va <laughs> plus bien. Ça va N être top. NFL, ben, il football américain. Ils se sont fait slap. se sont fait slap. Non. Ça, oh, ils ont perdu contre le Japon, équipe Je sais pas qui ils ont vu. Vous avez vu, c'est une équipe de white boys. I, boy. oh, I don't care. I don't, <laughs> care. I, don't yo, care. See, I don't care. I don't care. I don't care. Je sais que la team y a c'est pas la team de USA. C'est probablement des 3-star, 4-star oh, commits. Tu T'as pris les gars ouais. qui, ils avaient du cob pour les envoyer là-bas. Ah, c'est ça le problème. T'as pas pris les dots. de vrai, je suis sûr. Next year. Je n'ai pas surpris que la team, c'est une team qui a gagné. C'est une team, ok. Il, Il n'y a pas qui a gagné le National Championship cette année-là. Non, 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 non. Ils n'ont pas envoyé une full team de une équipe. C'est du recrutement de le plein. Ils ont du cob Il n'y a aucun noir c'est du monde, ah, c'est du monde. Nicky, Nicky, I'm, I'm saying, he's speaking to me like I told oh, 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 them he was there. <laughs> C'était tu comprends, c'est... Yeah, ils ont pas amené les dogs, bro. Mm. Excuse-moi, yeah. moi je crois vraiment que vu que c'est la troisième année, je pense. Mm. Ouais, je pense que c'est la troisième fois qu'ils font. Ils font. Je pense qu'ils peuvent pas subventionner tout le monde. Je pense que tu es un parent, il faut quand même que je paye pour manquer d'une certaine manière, il me manque pas la ça non plus. C'est des enfants, ils s'en foutent aussi. Si tu gardes, si c'était pour être des good les gars de la NFL, ils auraient dit yo. Les gars nca NCAA seraient allés, des five-star recruits. Si c'était comme 19 ans et plus, ouais tout le monde. Mais C'était 20? 20 ans? Non, c'était quand même c'était quand même haut. c'est genre 21. 20, 21. Les lignes NCAA, c'était pas là. Il y aurait pu les. Ok, mais est-ce que c'est des gars qui jouent pas dans le ils ont ce là Non, c'est des gars NCAA juste. Pour les meilleurs. Ah, les meilleurs. Ouais, je joue dans quelle division? Je en... sais pas, je sais ouais. pas. Moi, je pense que c'est les kids qui ont leurs parents Arrête, du Cobb. Je, je, je vais checker le line-up. Voilà. Qui non, on, a envoyé. Vrai, on, va, on va faire des recherches là-dessus. Des là ouais, ouais, on va faire des recherches là-dessus. On va vous revenir maintenant. On va vous revenir. Yeah. Et, ça, et ça, c'est une affaire de manga, là. Oui, ok où Tu vois que euh, le team de y vient battre. I shoot 21, mon gars. <laughs> les ont run sur les gars. Ils ont run sur les gars. Japon a run sur le partner du USA. Et Team Canada, qu'est-ce qu'on a fait? On, avait, on, on, a a, on a gagné on a gagné on a gagné le tournoi oui Et on a merci. gagné le tournoi en complet The dogs dogs we do anyway, on, on, on va le, on va le au trouver au Canada <laughs> anyway guys voici la fin de l'épisode euh, merci encore de nous écouter de nous avoir écouté pendant ces la fin de la saison la saison ouais t'as dit la fin de l'épisode oh, la fin de la, de la saison it, ouais. it is true euh, merci d'avoir écouté toutes ces mois, toutes ces semaines. On apprécie votre support, on apprécie que vous êtes toujours là, on apprécie que vous partager, vous participer au concours. Merci. Euh, on va revenir big, on va revenir encore d'autres nouveautés comme d'habitude. Euh, là, parce on a commencé en T4, un, un s'est blessé. On va peut-être <laughs> revenir quatre ou aussi ou 5. Who knows? Who knows what's next? Stay tuned sur IG. On va, on va poster des euh, peut-être des affaires que vous aimeriez ouais. qu'on qu 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 fait. Qu'on fait, que mm -hmm. vous voyez qu'on fasse. C'était uh, so tout. Exactement. Il y a eu des throwbacks aussi de ce qu'on avait dit parce qu'il y a beaucoup de choses que Mizogod a dit qui sont arrivées. I would mm -hmm. like to do some research <laughs> and put it in your face that mm -hmm. SFB, SFB, News, on t'a dit parce qu'on dit des vraies affaires ici. Mm -hmm. Donc, uh, that's it. Anything to say? Non. non. All right, thank you and see you next year. Ciao, <laughs> ciao. <Merci laughs> you, Litt littéralement. Dans un okay. mois. <laughs> <laughs> ciao, guys.